SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 0707 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Je vais très 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 bien. Comme je vous avais promis, je dois lancer deux petits messages à Desbordeaux et surtout au staff de Desbordeaux. Je commence par qui? Bon, je commence par Desbordeaux. Desbordeaux, les gens font tout pour nous décourager de toi, hein, ça faut le savoir, ils font tout. Mais nous on est gamés, on est là, on patiente toujours. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que ce mois d'octobre ne va pas passer et tu vas nous faire plaisir. Moi perso, je suis déjà habitué à ce rythme là. Voilà. Je m'en réjouis pas, j'en suis pas fier, mais je suis déjà habitué à ce rythme là. Donc je vais pas te blâmer pour ton rythme dans la création de tes œuvres musicales. Je vais même pas te blâmer pour ça. Mais en fait, je vais juste te dire quelque chose. Moi, je vais te poser juste une question. Ceux que tu appelles staff, ceux que tu appelles manager, ceux que tu appelles second, en tout cas tous ceux qui sont autour de toi là, c'est quoi les rôles en fait? Bon, je vais juste savoir en fait, c'est quoi les rôles? C'est quoi le rôle dans ta carrière? Parce que moi, perso, j'ai fait une vidéo il y a deux jours concernant ton Deezer parce que ça m'a choqué. Ça m'a choqué énormément. Au début, quand je faisais mes vidéos, j'ai fait une vidéo comme quoi pour dire que tu n'es pas professionnel. Beaucoup étaient d'accord, beaucoup étaient en désaccord. Mais plus les années passent, plus les mois passent, tu confirmes cela. Et c'est vraiment déplorable. Aucune stratégie de communication. Ce que je déplore surtout avec toi, c'est que quand souvent on te donne quelques conseils, tu nous dis savoir ce que tu fais. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour toi, Desbordeaux. Tu es notre artiste, tu peux, je disais, tu peux peut-être nous faire croire que tu sais ce que tu fais, tu maîtrises la situation, que tu connais ta stratégie. Mais ta stratégie, ça fait, on va dire, plusieurs années, elle est mauvaise, elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne, elle te met en retard. Et nous fans, en fait, toi tu peux peut-être t'en foutre, mais nous ça nous fait tellement mal. Ça nous fait tellement mal, parce qu'on sait que normalement tu dois être au sommet, tu dois être au box office quoi. Mais, à cause de soi-disant tu maîtrises la situation, tu sais ce que tu fais, tu nous fais stagner là avec toi. Et comme nous sommes fans, on ne peut pas aller voir ailleurs, nous sommes avec toi et nous restons toujours avec toi. Nous là. On veut un grand avenir pour toi. Tu es encore jeune, tu n'es même pas vieux. Sérieux, tu n'es même pas vieux. Tu penses que peut-être que tout est fini. Non, tu as un avenir grandiose encore devant toi. Regarde par exemple. Presque un an aujourd'hui que tu nous as rien fait sortir du tout. Presque un an. Franchement, ce n'est pas reluisant, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas encourageant. Mais on est là. On continue de te soutenir. Il faut nous aider un peu. Moi, je parle pas de ça même. Ça, c'est pas grave. Comme je dis, je suis habitué à ça. Mais franchement, au niveau de ton organisation, au niveau de ton staff managérial, là, c'est nul. C'est zéro à la base. Je le dis haut et fort. Toi, j'ai dit, j'ai pas trop à te blâmer. Mais je dis simplement que je veux juste comprendre le rôle de ces derniers-là autour de toi. Ils sont là pour t'enfoncer, mais ils sont là pour te relever, en fait. Bref, je m'arrêtais des choses comme ça avec toi. Parce que toi, je suis habitué. Maintenant, vous, le soi-disant staff de Bordeaux, là, honnêtement, on a qu'à se dire la vérité. Quand vous-même vous regardez à côté de vous, quand vous regardez à l'extérieur de vous, je parle des Nigériens, des Camerounais, c'est quoi votre rôle? Attends, votre rôle là, ça c'est limite à aller, on va dire, négocier des contrats. Parce que moi je sais pas, hein, je vois pas trop le truc que mon artiste fait des showcases, c'est plus grande tournée, c'est toujours à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, je vois pas trop les tournées qu'il fait. C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre stratégie de communication? C'est quoi votre pensée? C'est quoi votre vision pour Desbordeaux Likoufa? Dites-nous honnêtement. Un artiste international comme ça, on va aller sur son 10h, 1400. L'artiste, c'est ce qu'il est. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui aient le culot, les couilles de lui dire, Desbordeaux, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ils vont dire qu'il n'écoute pas. Mais si le gars il n'a pas envie de travailler, vous vous séparez de lui. Mais tant que vous êtes avec lui, c'est que vous êtes d'accord avec sa façon de travailler. C'est ça la vérité en fait. Parce que moi, je ne vois pas votre rôle, honnêtement. Vous foutez rien autour de Desbordeaux, rien du tout. Même moi, Stéphane Ahoui, il prend Desbordeaux. Il n'y a pas besoin de 2 ans. Je n'ai pas besoin de 2 ans. Ce n'est pas la tchatche. C'est une question d'idée.
d'imagination, de vision. On n'a pas besoin de grands moyens pour faire percer un artiste. Il s'est déjà fait un nom. Tout ce qui lui manque, c'est une très bonne organisation. C'est tout. C'est tout ce qui manque à notre Debordeaux. Notre Debordeaux, on crie derrière lui, on fait des vidéos, on le défend bec et ongles sur la toile là. C'est tout ce qui lui manque. Le talent est à 100%. Sa renommée est à 100%. Mais l'organisation, zéro, nul, vaut rien. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un manager même? Un manager d'artiste, vous savez ce que c'est qu'un manager d'artiste? Vous avez vu des choses? Oh, Serge Benoît, prenez l'exemple de Serge Benoît. Il a commencé à son manager noir là, il l'a laissé aujourd'hui. Si Serge Benoît était tombé, on m'aurait dit, ah, tu as laissé ton manager là, il était tombé. Mais le blanc là, il fait un travail de fond. Gaëtan fait un travail de fond. Il fait ça joli, joli. Nous ne sommes pas fans de Benoît, mais on reconnaît que le mec, il est très intelligent. Pour sa musique, sûrement, il est hyper intelligent. Et nous, ça nous rend jaloux, honnêtement. Je suis manager de Debordeaux. C'est le titre là seulement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour décrocher les gros feats, pour décrocher les gros contrats, pour décrocher même, pour être géré de plusieurs marques sur le marché? Rien du tout. Le mec, comme il s'est fait un nom, les gens ont le contact et vous êtes là, vous venez avec soit votre titre, je suis manager de Bordeaux, c'est tout. C'est honteux. Franchement, il faudrait que je vous dise ces vérités là, c'est honteux. Parce que les gens se moquent de nous à longueur de journée. Et là, je n'ai pas les couilles, le courage, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas, je vais même pas me cacher de vous-même. Je vais vous dire ce qui est. Vous enfoncez des Bordeaux. Et le mec, comme je sais qu'il est, il a trop de cœur, il s'est dit, bon, j'ai galéré avec ces mecs-là, je ne peux pas m'en séparer. Voilà ce que j'ai dit une fois dans une de mes vidéos. Des Bordeaux, on ne te demande pas de couper les ponts avec ceux avec qui tu travailles. Mais tu constates que tu n'avances nullement pas avec eux. Tu peux leur dire, ah, les frères sans, vous demeurez mes frères sans. Mais toi, tu n'es plus mon manager, toi, tu n'es plus mon manager, je renouvelle mon équipe. C'est mieux de bouffer 1% d'un milliard que de bouffer 0% de 0 francs. C'est juste là, c'est juste le titre. Hein. Debordeaux, en un an, peut devenir multimillionnaire. Il y a des gens qui sont prêts pour lui dans l'ombre. Honnêtement, je vous dis, hein, il y a des gens qui sont très prêts pour lui. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Revoyez vos staffs là, revoyez. Bossez pas, vous ne bossez vraiment pas du tout. Vous dormez sur vos lauriers. Vous ne foutez rien. Merde alors. Non, c'est là toujours fan de Debordeaux. Hein. On va toujours être fan de Debordeaux. Mais vous là, franchement, hein, vous êtes en train de tuer notre artiste là. On ne sait même pas ce que vous faites pour lui. En cas, c'est dit la vérité pour une fois. Vous foutez quoi de lui? Je suis le manager de Debordeaux. Moi, je marche à Debordeaux. C'est tout. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui sont là dans l'ombre. Je communique avec ces personnes-là qui sont prêts pour des Bordeaux. Qui sont prêts à le faire décrocher de gros marchés. Ils ont les contacts pour ça. Ils ont l'expérience pour ça. Mais vous êtes là autour de Bordeaux comme les sorciers. Vous ne voulez même pas qu'on s'approche de Bordeaux. Vous faites barrière. Et comme le mec aussi n'a pas envie d'évoluer, il est dedans. Nous, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On va toujours demeurer fan de Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on est souvent frustré de voir notre artiste toujours à la boue, toujours à la traîne. Mais c'est lui qui va plus en souffrir. Parce que demain, qu'il va prendre sa retraite et puis il va voir qu'il a rien foutu de sa carrière là. Il va dire, ah, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des personnes qui étaient prêtes pour moi. Et moi, je faisais la sourde oreille. Je ne te souhaite pas ça de Bordeaux. Il faut te ressaisir et maintenant. Il faut te ressaisir et maintenant. Débarrasse-toi de ceux qui ne t'arrangent pas pour faire éclore ta carrière. Merci, j'en ai fini.